aneo bande bandi pe to kutanite mais na pisi balandi mbote bele na réseaux sociaux pe ba o balanda biso na TV je suis énorméré voilà. Babi même na canal presse zo mona na terre. Ah oui, effectivement. Bon, pour toi lobi na oyo ke. Ouais ouais, na outil na ba période ba turbulence et bele notamment ba élection, ba problème sous tous en ngou, toi ba responsable donc c'est tout était un peu compliqué. Mais c'est déjà au passé. Maintenant là, je suis avec vous aux médias et au même moment moi, je ne suis pas que un communicateur. Moi, je suis un chercheur. Donc, un scientifique, penda, oui, ok. Pour passer à la télé, il faudrait que Naza l'assure que je n'azo les cas pour Batouba Yoka et puis Basepela, Bakanga, Bayebake. Il y a un chercheur qui est allé chercher à Outibokila, à Ekozonga, à Elibisope, ba solution et puis ba connaissance y a Sika Oyo et qu'on permettre que édifice Congo et Tonga. Très bien. Donc tous les canaux TVT pour plaisir ya koleka. Ngana les canaux TV avec une motivation pédagogique. Très bien. Alors, Outi Zamba, ba recherche na Outi ko sala nino meme libiso kasi. OK, ba recherche na Outi ko sala parce que j'ali recherche moko munene. Et nazo ko benga ba scientifique. Je rappelle que tu as 30 minutes. Voilà, voilà, na ro benga ba scientifique nyonso pour que ba accompagner recherche Oyo. To permettre que au fait to pondre et le moko oyo ezalana noté. Quand je dis ezalana noté, c'est-à-dire que nous voulons donner de nouvelles choses. De quoi il s'agit? Na sali étude ya société na ngai, la République démocratique du Congo. Bien que étude oyo ezali répéter valable pe pour na bamboka mosusu ya tiers monde. Mais ici étant que nga na vandi awa naza témoin oculaire ya histoire ya géographie na économie en Bokanangai. Donc sur le plan il y a information, il y a récolte, il y a ba données, je suis très bien placé pour que na sala étude moko minutieuse na kati ya mboka oyo et puis na bimisa ba résultat moko sûr. Alors na banai ko étudier société na biso parce que ba yebisa ka biso que nous sommes la République démocratique du Congo. Alors ngai banda na yoka ki tozali la République démocratique du Congo. Na salaka étude de moko comparative. Qu'est-ce signifie république? Qu'est-ce signifie démocratique? Qu'est-ce signifie Congo? Na makambo wana nyonso oyo na meka ko étudier na mona etikala authentique ezalika a Congo wana ya Congo. Ça c'est incontestable, le Congo c'est le Congo. Na géographie nango place ezali pe toyebi. Mais na luka yango comme étant un état démocratique na tikala rozwati. Alors, tant que na tikala kozoate ba qualité démocratique ya mboka oyo na banesko kolukana yeba soki ezali république démocratique te alors soko ezali république nini. Parce que ba république nyonso na mboka ya mokili ezali kaka ba démocratique te ba mboka mosusu pe ezali nango ba royaume ba mboka mosusu ezali ba république. Mais biso soko yo na tali toza royaume te. Natali, toza pe république te, toza sikoyo banani. Nde na bandi ko sala sikoyo. Elonye lo biso etoa démocratique te. Toa démocratique te parce que ya liboso pona toza la démocratique. Il faut toza la mboka oyo ezo appliquer ba norme démocratique, ba principe démocratique, exacte. Ba loi démocratique, exacte. Ba institution démocratique. Une vie démocratique. Mais ce qui au Tali, il est difficile, Tolobela, une vie démocratique au Congo. Parce que déjà la démocratie est ancrée sur des valeurs démocratiques. Pour nous, nous avons vu que les alliés écolomoko démocratique, il faut d'abord identifier la valeur démocratique dans le cadre de la si on a la valeur démocratique, oyo evan na kanamboka. Na mboka eloko ya liboso oyo elakisakake c'est une cité démocratique ezali culture ya peuple wana. Na tala na mboka na biso na sala étude nous n'avons pas en nous la culture démocratique parce que étude oyo ezosale manakati ya ville kakate c'est dans la globalité de l'étendue du Congo. Soko sali recule par exemple na bamboka soko ke na mboka. Les gens du village, leur chef, c'est le chef coutumier. Ce chef coutumier-là,
il n'est pas un élu. Ba ponaka été et pas la population. Ezali héréditaire. Bon, déjà dans la société, oyo. Ce qui n'est pas mauvais. En fait, le problème, ce n'est pas être mauvais ou bien être bon. Mais ça ezali. Voilà, le problème, ce n'est pas dire que Eza mauvais ou bien Ezali malam. Le problème, est-ce que Ezali démocratique? Parce que le autre problème, c'est réfléchir sur la démocratie. Ouais, je comprends. Est-ce que Namboka Nabiso, Nengeto Vivarana Bachef Nabiso, est-ce que c'est une vie démocratique? Parce que dans la démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Yende Moutounanzela Maponomi, Aponaka Bachef Naye, Po Bakambaye, pour une période. Dans la Bamboka, déjà chef Koutimi Azali. Azali, donc, déjà, au moins, que pour parler d'une démocratie dans la Bamboka, c'est difficile. Et puis, Namboka mon côté, Bamboka nyonso ya Congo. Siko, comment vous voulez entre Bato o bavandi na Bamboka, na Bato bavandi na ba ville, Bato bavandi na Bamboka, ba leki nanu, Bato bavandi na ba ville na ebele. Donc, c'est-à-dire que son kitozui. Dans la majorité à Mboka et dans le système démocratique, c'était. Très bien. Conclusion ya liboso. Eh, oui, oui. Voilà, token de belemeze bele. Belemeze bele, mais on va te comprendre. Voilà. Alors, toza nini kasi. Si ko toza li nini, tant on a sali betude, nde na yeko mouna, lolenge ya mboka nini toza li, philosophie ya mboka o biso toza li, babenga kango, l'oppressiologie. L'oppressiologie consiste à quoi, effectivement? L'oppressiologie, ezali philosophie oyo, ezali appliquer. Et ça est une réalité de vie na kati ya société oyo mboka et kabwami na ba classe sociale. Ba classe sociale, parce que pour parler d'idéologie, il faut être en présence d'abord des classes sociales. Parce que ba idéologie nyonso olomona oyo ezalaka na mokili et outa par le fait ya existence ya ba classe sociale. Par exemple, ce qui balobe le socialisme. Le socialisme a existé par le fait de l'existence il y a ba ouvrier. Le capitalisme a existé par le fait il y a existence il y a ba bourgeois. Tu comprends? Alors, biso sikoyo, quelle est la classe qui existe au Congo? La classe sociale, quelles sont les classes sociales qui existent au Congo? Quand on a sali banquette, na luki les socialistes na moni bangote. Pourquoi? Je n'ai pas vu une classe ouvrière. La classe ouvrière, c'est le travail. Le travail au privé. Okay. Parce que ici, le socialisme est né, non pas par le fait il y a mauvaise redistribution. Il y a ba revenu à l'État auprès des citoyens. Neti batu basala kana fonction publique, l'État a fait un peu de temps. Le socialisme n'est pas né par rapport à cela. Le socialisme est né par rapport à ba ouvrier, bazo sala et pas ba bourgeois. Et ces bourgeois-là sont des privés, mais bazo fouta ba ouvrier, ma bé. Très bien. Quel est? Si on a l'ouki socialisme, awa boe, exacte. Donc, il n'y a pas une équipe de bourgeois. Na Congo, il y a oyo ba privé. Bado sale oyo batu ba osala pa na bango. Okay. Oyo ke ekoki ko faire naître le socialisme. Très bien. Après. Na luki ni bourgeois exacte ni capitalisme exalité. Parce que nous sommes une société, mais quand même il existe des classes sociales. Classe sociale, amos qu'on a décelé combien de classes sociales? Na monique, il y a une classe sociale qui existe qu'on appelle les oppresseurs. Les oppresseurs. Les oppresseurs. Bah oppresseur wana bazaba nani. Caractéristique ya koye ba ke batu oyo bazaba oppresseur ndenge ba bourgeois bazalaki na occident. Qui étaient les bourgeois? Ezalaki une minorité de familles ou de personnalités qui étaient détenteurs de moyens de capitaux. C'est-à-dire, bazaki na ba concession, bazaki na bilanga, bazaki na ba usine, bazaki na ba industrie. Si ko yo bango, bazaki ba privé, et puis ba bandaki ko fortifier ba industrie na bango au travers mosala. Mais tant on a ye awa pa na Congo, le kola na moni, bazate, mais j'ai trouvé une classe sociale
qui s'appelle une classe des oppresseurs. Qui sont ces oppresseurs? C'est tout Congolais qui, jadis, était opprimé face au système qui nous ont précédés, parce que c'est une période. Évolution et idéologie, ils allaient tenir compte il y a évolution et temps. Société Nabiso, RDC Tang Botami, philosophie à Liboso et gouvernant Nabiso, ils allaient la colonisation. Dans la colonisation, les Belges, ils ont appliqué du capitalisme à outrance. Le capitalisme qui signifiait quoi? L'exploitation de l'homme et des minéraux. L'exploitation de l'homme par l'homme, évidemment. Et de ba minéraux pour n'avoir qu'un de kotonga bambo kanabango. Après Tangou, Tolongwe na circuit wana ya philosophie ya colonialisme, il est né philosophie ya ba souverainisme. Qui sont les souverainismes? Banani ba yena philosophie wana. Ce sont les indépendantistes. Banani, c'est la classe politique. Il y a ba Kwame Nkrumah, il y a ba Kasavubu, il y a ba Lumumba, ainsi de suite. Ba réclamer que non, il faut tout cesser. Avec, souverain. Voilà, tout cesser avec le colonialisme. Indépendance. Indépendant et tout comment ba souverain. Okay. C'est-à-dire que dans notre souveraineté, nous allons nous assumer nous-mêmes. Sur le plan, il y a économie, sur le plan politique et sur le plan culturel. Nous devons nous imposer comme ça. Nous ne voulons pas être conduits par d'autres personnes étrangères. Voilà, ils ont équipé philosophie et dégager Bissot, les souverainismes et les indépendantistes. Après, quand on a souverainisme, les indépendantistes sont en conflit avec le colonialisme. Na confrontation wana rapport de force et que ça la que ba colons ils avaient beaucoup plus de puissance et de moyens ba écraser ba souverainisme par le mécanisme des coups d'état parce que ba laka ki bango yango que vous voulez nous chasser mais voyez ba yango que revenir d'une autre nous allons revenir d'une autre manière avant l'indépendance sera comme après l'indépendance. C'est pourquoi maintenant ils ont appliqué la force et la stratégie Netinaka Congo. Ils ont perpétré un coup d'état pour maintenant appliquer non pas le colonialisme, bah chasser souverainisme et indépendantisme, bah installer néo-colonialisme. Donc la période mobutiste c'était du néo-colonialisme. Pratiquement yango kaka. Yango wana kaka, mais ici la nature de l'homme. Voilà, la nature de l'homme change. C'est l'autochtone lui-même qui gouverne. Yanda monde sa mais azo ça la politique. Injonction. Voilà. Aza loko la sous-préfet. Okay. Aloko la gouverneur mitin de zo utalibanda. Marionnette. Quand Mobutu a vécu cela, il était dans l'agenda, il était obéissant, il a accepté. Mais à un moment donné, il s'est épanoui. Attends, moi, elle s'épanouit à l'objet. Non, je ne peux pas continuer à être un préfet. Il faudrait que Nas assume maintenant. Au lieu à Zonga la colonialisme, c'était impossible parce que lui était autochtone. Au lieu à Zonga la souverainisme, il y a l'objet. Non, moi, je vais faire le recours à l'authenticité. Okay. Dans le recours à l'authenticité, Mobutu va aller considérer la société congolaise comme une famille. Et lui, il est le père. Sa femme, c'est la mère de la patrie. Et puis, tous, nous sommes les ses enfants. Babengi philosophie à Mobutu wana le paternalisme. De lui le père bisonyonso et Bana. Kolo moko papa moko, moko mokonzi moko. Donc la banque centrale ezali poche na ye ba institution oyo eza ba chambre place ya tinda ka batu basala misala na pourquoi ba pesier compte rendu bana ba lié te ba quel. Donc c'est vraiment une société qui a évolué avec cette philosophie du paternalisme. Mais si koyo tant que tu as un système de paternalisme, naissance y a opposition contre le paternalisme. Et Zali, et Lokomoko, Oyo, et Kamuisaka, intelligence Nangai. Comment est-ce que Batu Oyo va s'opposer qui na système Yamobutu, Bango, Bayaki Kobima, ba socialiste. Parce que pour être socialiste, il faut être une classe des ouvrières qui s'oppose à une classe des bourgeois. Mais bango so kotali classe oyo et s'oppose à qui les 13 parlementaires, l'IDPS et consorts. Bango bazalaki na kati ya paternalisme comme des lieutenants des notables. Tant ou ba se brouillé, bango ba bimi, il n'était pas une classe ouvrière.
il n'était pas au moins une classe ouvrière. Et puis à côté, il n'y avait pas un bourgeois. Mais qui était là? C'était un père, Oyo Asalaki, Ekolo, et comme le Kola Neti, famille Naye. Donc, terminologie à socialisme, Ekota Awana Congo, Ndengenini. Parce que le capitalisme n'avait pas droit de citer ici. On n'a jamais vu un capital privé fonctionner ici à Bakongolais. Ainsi de suite. Maintenant, alors, nous sommes dans la remise en question pour tout ça, la étude. Ce qui est qui socialiste était et que capitalisme est tout ça, c'est nini. Donc, tout ça, c'est quoi, on a oppressiologie. Oppressiologie, c'est quoi, et définir des catégories, il y a classe politique majeure. Côté moko, les opprimés. Côté moko, les oppresseurs. Les oppresseurs, qui sont-ils? C'est une minorité. Cette minorité qui était avant déjà opprimée, mais une fois ils accèdent au pouvoir, bah commis oppresseurs. C'est-à-dire qu'ils sont allés aux institutions en promettant nabande konabango opprimé. Soto komi kuna toke ko servir bino. Mais tant que bakomi oppresseur. Siko yo eloko nini e démontrer que bazaba oppresseur. Caractéristique ezali yaliboso. Okomona ke poba koma ba oppresseur. Pona ko koma kuna na ba institution, il y a un mécanisme, il y a des mécanismes qu'ils ont mis en place. Élection. Qui ne sont pas des mécanismes démocratiques. Qui ne sont pas aussi des mécanismes, il y a royaume. Mais il y a un mécanisme, il y a oppressiologie. Oh, élection donc. Non, non. Ici, il s'agit d'une sorte d'élection qu'on appelle parodie d'élection. Ah, parodie. Parodie d'élection. Parce que dans la démocratie, c'est les élections démocratiques. Il y a une différence entre élection démocratique et parodie d'élection. Parodie. Le nez existe. Oui, oui. Les élections démocratiques existent. Parodie d'élection. Parodie des élections. Parodie d'élection, c'est-à-dire, vous promettre bateau, vous avez dit, vous opprimé, n'est-ce pas? Que ce qui est comme Kuna, vous pouvez s'en aller, vous pouvez vous pour nous servir, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est. C'est-à-dire que ce qui n'est d'abord, comme on a une institution, non pas par la volonté du souverain, organiser semblant moko ya par l'élection. Mais bango moko ba yebi au finish, ce n'est pas la volonté du souverain qui va déterminer qui va gagner, qui va perdre. Mais bango moko nde ba tuba mi pona balobi que tel muta okota, tel muta okota, tel muta ozala kapanda ainsi de suite. Mais ebimi ka le roi va officier. Voilà, ebimi ka officier. Voilà. Donc ba benga ngo parodie. Ezali mode d'accession pour que ba opprimé ba koma na ba koma ba oppressé. Deuxième mode na bango ya ko comme la ba oppressé. Ezalaka ba arrangement particulier. Ezalokola sous forme ya ba dialogue. Okomona ba créer situation moko ya kao na mboka. Alors batonyoso o bazana ba veilité ya ki leadership, bake ba samani, ba vandi, ba yokani pe ba komi na ba institution. Okay, mususu. Modèle mosusu ezali ya coup d'état. Okomona batu moko boye na groupe na bango ba s'arranger, ba zui ba arme, ba renverser bato bazala ki wana, ba botoli bokonzi, ba miche. Na soutien ya ba opprimé. Ya ba soutien ya ba opprimé ou bien té. Ah, ou bien théorie. Voilà, pas forcément. Pas forcément. Bah, misusu, nanzela ya ba rébellion. Au commun, bah, tu bah, kei na ba rébellion. Bah, sali ba rébellion. Après un moment donné, bah, yokani ke tocha mindu kinase. Toyo kana dialogue, ale tosa la brassage. Bah, misusu, bah, se retrouver les susu, na katia ba institution. Or, ce que tali classe politique na biso, après Mobutu Tililo, ce que tali calmement, au commun, ke batu nyonso oyo baza, na katia ba institution, lelo, le kola ba représentant. Source il y a coco manabango kuna ezaka kana quatre critères oyo. Ceux qui n'a pas redit d'élection té eza par dialogue, ceux qui par dialogue té coup d'état té rébellion, ceux qui rébellion té eza ba compromis à l'africaine. Nyonso oyo ezali mode d'accession au pouvoir té ya démocratie. Nyonso oyo ezali mode d'accession au pouvoir ya oppressiologie. Oppressiologie. Très bien. Maintenant déjà tu vois ce qui m'a cambo na lobby ezali réalité. Est-ce que tokoki ko benga société na biso démocratique? Non, parce que na société démocratique, ceux qui dirigent, ils n'accèdent pas par les coups d'état, ils n'accèdent pas par des arrangements particuliers, ils n'accèdent pas par les dialogues, que seulement par la volonté du souverain. Mais awa yomoko yebi chaque fois
qu'on est en face d'une parodie d'élection, c'est pour désigner un groupe des oppresseurs. Et puis, bah, oppresseurs, on a caractéristiques, n'a pas sur ces alliés. Parce que, la démocratie principe, c'est ali que, bah, gouvernant, bah, konzi, tant que, bah, pèse à bango mandat, et ali pour te, bah, servir peuple. Mais si, quoi, bah, oppresseur, principe, n'a pas à servir peuple, t'es. Service, il y a qu'au servir peuple, et pas, n'a pas et comme, à inverse, bah, comme, à qu'au se servir. Quand ils sont en train de se servir, ils deviennent insolemment riches. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans la société? Vous allez retrouver minorité autres ako benga ba oppresseur brusquement au mona mutozala qui opprimé lobby soka commis na ba institution. Trois mois, quatre mois, six mois après a commis riche. A tiki kozala opprimé a commis riche. La richesse ostentatoire a comité riche par le fait que la richesse insolente, insolente, brutale, donc non justifiée, enrichissement illicite. Bazo kutoyango ndengenini, ils ne construisent pas des immeubles. Basala kabozui wana nandenge ya salaire na bangote. Aucun oppresseur, ba oppresseur nyonso oyo bazana mboka oyo mutu mokote a tongan kitanaye avec son propre salaire. Quand vous examinez leur salaire et vous regardez tout ce qu'ils ont comme avoir, ça n'a rien à voir. Et ça n'a rapporté. Alors, Bisso Tozali informé que Bakomaka riche, non pas par les salaires, mais plutôt par la corruption, par les détournements, par la fraude, par l'enrichissement illicite, par le blanchissement des capitaux, tout ce qui est antidémocratique. Est-ce que c'est vrai ou faux, Tozali na contexte wana, que nous avons des oppresseurs? C'est aux téléspectateurs de répondre. Pour ceux qui Tozali na ba oppresseur, au bazo s'enrichir, na corruption, na détournement, na fraude, enrichissement illicite, blanchissement des capitaux, ainsi de suite. Est-ce que nous sommes dans une société démocratique? Non. Et là, comme nous sommes dans une société démocratique, dans la société démocratique, il faut bon retenir que présence, il y a ma classe sociale, il faut les identifier. Ma institution, il faut les démocratie. Les gens, ils ont identifié. Si, quoi, ils ont identifié. Mais si quoi, tu as deux classes dans le Congo, ils ont riches, pauvres, classe les opprimés. Les opprimés. Les opprimés. Basali, une majorité. Oui. La foule, cette majorité au Congo s'appelle la opprimés. Classe sociale des opprimés. Très bien. Si mais il y a une minorité qui s'appelle la classe sociale des oppresseurs. Mais est-ce qu'il y en a? Il y a une classe intermédiaire. Oyoba Bengi, les opprimés du palais. Les opprimés du palais. Ah. C'est-à-dire. Bah, collaborera. N'a pas oppresseur. Ok. Basal au la courroie. Ah. Oyo et salaka entre. Bah, opprimés, bah, oppresseurs, pour nanini. Parce que et, ils sont identifiés parmi les opprimés comme des leaders. Et maintenant, ces opprimés-là, considérés comme des leaders, très bien. Bah, kendaka auprès des oppresseurs, pour baye bisabango, que bino soki bolingi, bosa la ba activité na bino, il y a grandeur, il y a politique, nous sommes des leaders des opprimés. Vous pouvez nous utiliser pour la mobilisation. Okay. Vous pouvez les utiliser pour que tout ça la bino topé sa bino par exemple naka soki otali soki ba oppresseur ba lingi ba organiser manifestation ya marche obé ya meeting ba robenga ba opprimé ba robenga ba opprimé du palais ba mobiliser ba opprimé voilà ba ya e makam na bango ba oppresseur ba oppresseur. Pourquoi? Parce que les oppresseurs, ils habitent par exemple Gombe. Ah. Mais jamais on remonte la manifestation, on remonte les mains à Gombe. Et ça, non. Place pour opprimer et qu'on ait des places pour opprimer Bazali. Voilà. Si on a des places pour opprimer Bazali, on va opprimer du palais. On va le roi à pont. Bon, on va dire que c'est un abysso. Il faut casser. On va expliquer Bango. Tant que vous expliquez, bango, ba pesi bango, ba miette, oh, ba oppresseur, ba tindi. Parce que oppresseur, ako banga, ko kende kuna yé moko directement. Ba obambe ma banga. Ba obambe ma banga, parce que ba yebike, bango, ba tu banyo kolaka bango. Alors, opprimé du palais, okomona bango dans la plupart des cas, ce sont des communicateurs, ce sont des dialoguistes, ba griyonyo, sozo, les coopérants, les intermédiaires entre tout ça.
classe politique wana nyonso. Merci beaucoup. Babenga kabango opprimé du palais. En dehors il y a classe politique, il y a ba opprimé du palais. Tozali lisusu na classe moko ya ba capitaliste. Mais ces capitalistes là ne sont pas des Congolais. Qui sont-ils? Les Indiens, les Libanais, les Pakistanais et tout ce que vous voyez oyo basimbi économie en boka. Très bien. Qu'est-ce que ils ont? Ba banque nyonso. Ba banque, capitaux privés, bah entreprise, bah supermarché, bah service et bien, bah communication, manufacturé. Si koyo batu oyo, bah capitaliste oyo, baza bah congolais té. Baza bah étranger. Baza bah étranger, mais si koyo bah travaillaka, n'a pas oppresseur en complicité pour bango bah exploiter, bah opprimé. Si koyo tango bazo exploiter, bah opprimé. Bah oppresseur moyen. Va sanctionner ba capitaliste azate parce que bango bazana ba pourcentage na bango oyo ba yokana pour que bango ba oppresseur ba se retrouver na kata copie ya ba capitaliste. Merci. Donc yango na zo su ki sapona olobake l'idéologie qui convient pour les oppresseurs ba benga rango le communautarisme des oppresseurs. OK. Parce que bango non le communautarisme des opprimés. Il faut ba opprimer nyonso. Ba sangana idéologie politique na bango. Ezali le socialisme était, ezali troisième voie était, ezali le capitalisme était, ezali le communautarisme des opprimés. Il faut pas s'engana autour de cette idéologie qui a des valeurs. Oyo ba de ba opprimé, il faut pas se servir na bango pour ba ça la rapport de force pour que ba bunda enfin que ba loi na oppression. Très bien. Mais bango ba oppresseur, bango ba évolue à na idéologie na bango o ba bengi l'omerta des oppresseurs. Parce que l'omerta ezali système moko ba adopté en na Italie. Oyo ba mafiataire, ba salaka o ba bengi, il faut voler en silence, il faut détourner en silence, il faut tuer en silence. Merci mais beaucoup. En complicité moto a dénoncé moningate. Ah, très bien. Tu comprends? Yango lobby république oppressionologique du Congo. Rock. Rock. Merci. C'est-à-dire beaucoup. Quand on dit rock, c'est-à-dire que les apena pour vivre faux, pour sentir. Merci beaucoup. Donc vraiment donc c'est pas facile la vie. Merci, donc ce n'est pas la RDC, c'est du rock. Ici c'est du rock, ce n'est pas la RDC. Donc c'est pas la RDC, mais c'est du rock. ROC, république oppressionologique du Congo. Parce merci que beaucoup. Ceux qui ont mis qu'on explique un mot sur fond, il y a République démocratique, tu n'auras pas des éléments. Pas mais des ceux éléments. Qui ont ligné ou expliqué un mot sur format, il y a ROC, République oppressionologique, tous les éléments merci. Sont là. Chacun de nous se retrouve. Netio, ceux qui battent Nio. Tu es dans quelle classe sociale? Il y a un alors, il y a opprimé ou oppressé? Ou bien opprimé du palais? Il y a opprimé du palais. Merci beaucoup. Bon, yo, parce que tu dois te retrouver quand même quelque part. Et je suis Doni Bonga, on a envie de répondre. Il y a un peu de place aux alliés. On répond. On a opprimé. Voilà. On a oppressé ou on a opprimé du palais. Très bien. Mais opprimé du palais peut valoir à bien. Bah, au premier du palais, il va à la coopérant. Bah, coopérant. Bino va communicateur. Donc, il. Bah, commerçant, bah, leader. Donc, c'est-à-dire que il est au premier du palais. Tango Azali n'est pas oppresseur. Oppresseur avant dans ma campagne. Sauf qu'il n'est pas Azali. Azali à l'aise. Azali au moins climatiseur. Bah, autant pour la Jeep, Banzele, Zabi. Il y a une minute où on a esprit, on a un bon Zabi. Ah, bon Zabi. Encore les capes à la TV à l'obi, bon Zabi. Mais tant qu'on n'a pas un bango. A qui on a Bangongi, Zele, Zate, tout ça. A comme ici, on a image. Donc, opprimé. Donc, Moka est bien. Donc, on a zappé opprimé. Mais son oppresseur a émis, c'est sensibilisé. Sensibilisé. Moi, manifestation, mon roboué. Azumoua, tu es quel. Oppressionologie. Merci beaucoup. Focus Kukele. Donc chaque classe politique. J'espère nyoso. Nyoso na l'hôpital. Comme il fait. Non. Ezebele. En gros, c'est ça. C'est clair. J'espère que les gens nous ont compris. Voilà. En 30 minutes, on met qui quand même qu'on explique en gros. Nyoso. Donc avoir. Celui qui veut me contredire. 30 il secondes. Il faut démontrer le socialisme. Maintenant, il a démontré l'oppressionologie. Moutou ayako expliqué biso le capitalisme si ça existe comment au Congo ngai na lobby tout ça troisième voie capitalisme socialisme progressisme ça n'existe pas, ça n'existe pas. Parce que avant que vous puissiez parler de l'idéologie ça doit être une réalité du vécu quotidien, chacun doit comprendre ça, ça ne doit pas être merci. De la magie. Donne ton numéro de téléphone. Mon numéro c'est le 081
055 055 2. Il y en a plus 243. Plus 243 081 055 055 2 Nasuka. Okay. Oeza recherche scientifique. Merci. Venez contribuer parce que je serai fier d'être celui qui va donner une idéologie authentique aux Africains et précisément pour les Congolais. Merci beaucoup. Il y a mimétisme, il y a qui socialisme, il y a qui capitalisme. Merci nous beaucoup. Sommes des oppressiologues. Très bien. Ah, Fokaso, on a une salle. Merci beaucoup pour l'idée, analyse, la réflexion. On n'en peut rien, ça vient de toi. Topé Sura, merci d'avoir participé à la tranche matinale intelligente et encyclopédique de ce matin d'Akin Matin. Alors, Joël Pembele, on va dire un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous suivent également. En tout cas, très très bonne journée à celui qu'on appelle les jeunes millionnaires, les créateurs d'emplois, les petits bétons, Simon Ikamba. Très très bonne journée à vous, les jeunes millionnaires. Les créateurs d'emplois, les petits bétons, Simon Ikamba, trois fois boss, trois fois patron, trois fois président. Très très bonne journée à toi, Simon Ikamba, les jeunes millionnaires, les créateurs d'emplois, les petits bétons, Simon Ikamba, bonne journée à toi. Je voulais également souhaiter une très très bonne journée à Maître Pouloussi Eka Ig, la main sacrée, hyper puissant, Maître Pouloussi Eka Ig. Très très bonne journée à toi, Bakoko Kayote di Maître Pouloussi Eka Ig, la main sacrée, hyper puissant. Bonne journée à vous et bonne journée à tous les cabinets du Maître Pouloussi Eka Ig. Tout est possible. Maître Dadou Booto, bonne journée à vous. Maître Dodo Ndondo, Bolumbu Yampese, à Maman Ange Awazi, bonne journée à vous. Maître Dodo, Maître Pierre Louboya, l'Argentier. Très très bonne journée à vous. Je n'oublie pas Maître Dani Kanda, les lauréats du barreau. Maître Don Michel Makengo. Très très bonne journée à vous. Maître Don Michel Makengo. Maître James Mavinga. Maître Ben Jolie. Tous au cabinet du Maître Pouloussi Eka Ugia. Tout est possible. La main sacrée. Hyper puissant. Maître Pouloussi Eka Ugia. Très très bonne journée à vous. Alors, une information qui nous vient de Gimputu. Kani Kalebas, l'artiste et musicien Kani Kalebas s'est produit à Maisha Life. C'est vendredi 29 mars 2024 de 18h à 22h. Kani Kalebas, l'artiste Kani Kalebas se produira à Maisha Life. C'est vendredi 29 mars 2024 de 18h à 22h. Alors, on va chuter par les anniversaires. Joyeux anniversaire à Kylian Batumbi, le fils de Jean Batumbi. Jovial et joyeux anniversaire à vous. Kylian Batumbi, le fils de Jean Batumbi. Donc, en nouvelle année, bébé, ça vous apporte beaucoup, beaucoup de très, très bonnes choses. Kylian Batumbi, jovial et joyeux anniversaire à toi, notre bébé, notre fils. Kola Malamu et Kosala Baparanayo. Très bien. Donc, Kylian Batumbi, le fils de Jean Batumbi, joyeux anniversaire à vous. Voilà. Et puis, autre anniversaire. Joyeux anniversaire à Brian Ramazani. 8 ans d'âge, ça s'est fait. Brian Ramazani, le fils de Joël Ramazani depuis la Belgique. Joyeux anniversaire à vous, notre enfant, notre bébé. Brian Ramazani, depuis la Belgique, 8 ans d'âge, ça s'est fait. Le fils de M. Joël Ramazani, jovial et joyeux anniversaire à vous. Brian Ramazani, 8 ans d'âge, le fils de Papa Joël Ramazani, depuis la Belgique, jovial et joyeux anniversaire à vous. Voilà, j'ai tout fini. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci également à Focas Koukelemena. On a passé des bons moments avec vous, avec ta République oppressiologique du Congo. Donc, mais je n'ai pas fini. Merci beaucoup. On va continuer même prochainement. En 30 minutes, vous n'avez pas fini. Il faut. Non, c'est déjà. Bon, on va en parler. Déjà, tout le monde n'a pas mort bien. On va compléter. Parce qu'il faut tout expliquer les caractéristiques à opprimer. Très bien, pas de problème. Faut expliquer plus sur les caractéristiques à bas oppresseurs. Parce que chacun doit s'identifier. Merci beaucoup. Et puis après, comment ça fonctionne?
Et puis, pour voilà. comprendre pourquoi on a fait cette recherche. Merci à Mike, voilà. merci à Freddy, je suis en train de dormir, merci à Joël, merci à Patty, merci à Guy Poutou, toute l'équipe technique. Merci à vous d'avoir contribué pour la bonne tenue de cette tranche matinale. J'espère que vous avez aimé une fois de plus. Dodi Bohonga au niveau de la commune de Mongafula, Mama Rosa également. Très très bonne journée à vous. C'est pas fini.